Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tenter de construire une petite application iPhone qui utilise des caractéristiques jusqu'ici inexploitées de ce type de périphérique. Tout d'abord, il nous faut mettre quelques petites choses en contexte. Donc revenons sur le app Delegate et son code source. Que nous pouvons faire apparaître et dans lequel on peut effectivement apercevoir que les différentes méthodes que nous allons tenter d'utiliser dans le point H et qui sont relatives au fichier qui peut être obtenu par inversion effectivement des appels de fonctions on concentrera tout d'abord que effectivement le circuit de contrôle lui qui s'il est effectivement mis à la masse hmm, euh, peut obtenir une stabilisation par euh, simplement inversion euh, du courant primaire. Donc euh, en observant de plus près euh, ce qui sera ou ce qui nous servira, disons de branchement fonctionnel à l'intérieur des objets, eh bien, on observera effectivement que la diode si elle est inversée nous fournira ce qui est attendu, c'est-à-dire un dégagement de chaleur électrique et en simplifiant le diagramme, simplement en utilisant les caractéristiques de l'optimiseur euh, du compilateur, on tombe sur ce nouveau diagramme fonctionnel qui correspond exactement à celui de l'iPhone 5. Donc, revenons à notre code source. que l'on peut tenter de compiler. La compilation fonctionne et qu'on peut tenter d'observer. Donc, lançons-le dans le simulateur et voyons ce que nous avons maintenant obtenu. Alors, il s'agit d'une nouvelle application tout à fait révolutionnaire qui s'appelle iMate et qui permet simplement, comme nous l'avons vu et comme nous venons de l'expliquer, qui permet d'obtenir un dégagement d'énergie à partir de l'iPhone et un dégagement d'énergie qui est évidemment autre que photonique comme on va le voir. Donc tout d'abord, il y a une page de manuel expliquant que effectivement il peut être dangereux d'utiliser cette application comme on va le voir et comme la démonstration effective le montrera avec un véritable iPhone et ensuite, on passe effectivement sur les différentes possibilités de cette application. Euh, la première, donc, qui nous permettra de dégager de la chaleur grâce à notre iPhone. Et cette chaleur étant générée par euh, la combustion de différentes molécules de gaz. Donc, attention à ne pas s'approcher trop près de son propre écran. Bien sûr, on aura le choix, comme il est indiqué dans le manuel d'utiliser la combustion du bois et, toujours pareil, éviter de s'approcher de trop près de son écran. Et la quatrième possibilité, aussi indiquée dans le manuel, c'est d'obtenir un dégagement euh, radiant par, grâce à euh, l'induction électrique. Ouah non, zut. Aïe. Oula.